Eh bien bonjour à tous mes petits piments d'Espelette, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo gourmande et croquante avec du Space 12, avec du M26 Mass, avec du 44 Magnum et pour faire plein de one shot comme un gros bourrin. Et ça fait putain de plaisir. Je me suis demandé quelle était la configuration la plus bourrine possible sur Battlefield 3. Donc on est en team deathmatch, on est avec les armes que j'ai dites, donc le M26 Mass, le Space 12 avec les buckshot et le 44 Magnum. Et on est là pour mettre des têtes, on est là pour mettre des one shot, on est là pour faire le gros bourrin des familles et faire du kill parce que c'est le but en team deathmatch. Voilà, c'est pas un mode très très intellectuel, hein. On va pas dire que c'est du rush ou de la conquête, il faut jouer les objectifs. Là faut jouer le bourrin, donc ça convient parfaitement. Et donc on va faire quelques revives évidemment si on passe à côté, hein. On va pas se mentir, mais le but principal voilà c'est de faire du kill, Bob. Donc pendant que je diffuse ce gameplay délicat tout en finesse au Space 12, j'aimerais, pour compenser un petit peu, parler d'un sujet qui me tient absolument à cœur, la paix dans le monde et les fleurs, et notamment les pâquerettes, très important sujet pour compenser, voilà, donc comme je le disais, cette image de gamer gros bourrin, nous allons parler de fleurs aujourd'hui. Alors évidemment tout le monde connaît les pâquerettes, ou la pâquerette vivace Bellis perennis, qui est une plante donc vivace de la famille des Astéracées. La pâquerette est haute de 10 à 20 cm, ses fleurs naissent sur les inflorescences appelées capitules. D'ailleurs je capitule, j'en ai marre. Je lâche Wikipédia. D'ailleurs je suis en train de me demander si c'est pas la pire intro que j'ai jamais faite depuis le début de ma chaîne, c'est-à-dire il y a 4 ans. Donc vous pouvez me dire ça dans les commentaires, il n'y a pas de souci, j'arrête YouTube, c'est bon. Bon, en fait, je fais cette vidéo parce qu'il y a quelques temps, je vous ai demandé, en déconnant vos... C'était pour troller Joe Space, parce qu'il avait fait la même chose. Je vous avais demandé vos bulletins scolaires sur Twitter et vous me les aviez envoyés. Et en fait, lui, il voulait faire une vidéo là-dessus, donc c'était juste pour le troller. Et je comptais pas du tout en parler, mais en fait, ça m'a rappelé 2-3 choses, des souvenirs pas forcément agréables d'ailleurs, hein, quand on parle d'école. Moi, ça c'est passé, c'est derrière moi. C'est le cas pour une bonne partie d'entre vous aussi, mais c'est pas le genre de truc qui manque. Et je me souviens... Je me souviens déjà à l'époque, on me disait « Profite de tes années de collège et de lycée parce que ce sont les meilleures années de ta vie. Tu n'as pas à travailler. » non, ça c'est les vieux généralement. Ça y est, le vieil oncle con, là, le gros porc que tu vois au dîner de famille, qui te sort ça entre deux crocs et qui est complètement con, qui a oublié ce que c'est comme merde le collège, le lycée et même la fac après. Moi je me souviens, enfin, c'était pas du tout les meilleures années de ma vie. Hein. Honnêtement, les meilleures années de ma vie, c'est maintenant. Après, ne vous méprenez pas, hein. C'est pas du tout mon style de cracher sur l'éducation, etc. Par contre, je pense qu'en France, je suis même persuadé qu'en France, c'est pas du tout fait, un, de la bonne façon, et deux, c'est pas agréable, quoi. Enfin, qui s'est déjà levé de bonne humeur le matin en disant « C'est génial, j'ai un contrôle de maths, waouh, trop cool, je vais pouvoir tester mes connaissances !» c'est qu'un soir, si, c'était le cas en primaire, parce que c'était pas dégueulasse, c'était avec tes amis, c'était un petit peu plus ludique, etc. Mais déjà, je pense qu'il y a un problème avec les profs, en règle générale. Je me souviens, à la fin du lycée, quand j'avais eu mon bac, j'étais un bon élève, hein, notez bien ça. J'étais un bon élève, je bossais pas beaucoup, mais j'étais un bon élève. J'avais compté le nombre de profs bons que j'avais eu. Quand je dis bons, c'est pas des profs sympas, c'est des profs compétents, c'est des profs qui m'ont appris des choses, etc. etc. Généralement, c'était les profs qui faisaient des contrôles réguliers, qui rendaient rapidement les copies, ça allait assez souvent ensemble, et c'était des profs sérieux. Et bah, ces profs-là, je peux vous jurer que sur mes 3 années de lycée, ils se comptaient sur les doigts d'une main. En fait, pour moi, il y a 3 catégories de profs. Il y a les bons profs, donc ces profs qui vous apprennent des choses, qui sont souvent assez sévères, mais qui sont compétents, qui donnent envie aussi pour certains de travailler leur matière. T'as les profs, le plus grand groupe de profs qui sont neutres. En fait, c'est des profs qui sont pas passionnés, qui donnent pas envie de bosser, etc., etc. Bon, voilà, ça, c'est la grande majorité des profs. Et puis, t'as les profs qui sont des énormes cassos. Je ne sais même pas ce qu'ils font là. Dans n'importe quelle entreprise privée, ils se seraient fait virer pour faute grave. Je vais vous raconter 2-3 anecdotes et vous allez me dire si vous trouvez ça normal. Ça s'est passé uniquement en 3 années. Hein. Alors, premier exemple, quand j'étais en première, j'avais une prof de SVT qui avait voulu faire payer les élèves pour rendre les copies un jour plus tôt. Donc, 2 € la correction des copies un jour plus tôt. Donc, il y avait des élèves qui avaient payé. Mais devant la réaction des profs et du proviseur, finalement, elle avait rendu l'argent et elle avait rendu l'argent aux abonnés. Voilà, clairement, hein, c'était une youtubeuse avant l'heure. Et donc, normalement, ça, c'est une faute grave. Hein, tu le fais virer. Te fait dégager, et bah c'était pas le cas. Alors toujours en première, j'étais en travaux pratiques de physique chimie, de physique il me semble, et j'avais une prof qui était un petit peu âgée quoi, elle devait être dans ses dernières années avant la retraite, et donc on était en TP, j'avais mon pote qui avait laissé son sac dans l'allée, et la prof en fait, si vous voulez, elle marche devant moi, elle contourne la table, et puis d'un seul coup je retourne la tête, je la vois plus, et elle était au sol en fait, elle s'était pris le pied dans l'anse du sac de mon pote, donc finalement discrètement j'ai dit prends, passe le sac, et on l'a remis au milieu en mode non, vous avez trébuché sur un fil de souris, sauf que bon, elle était tombée par terre normalement quoi, elle s'était pas blessée, et bah elle a quand même pris une semaine d'arrêt maladie, voilà, ça c'est beau, c'est pro.
J'avais une prof d'histoire qui était complètement raciste aussi et qui disait, quand elle faisait l'appel en début d'année, hein, c'est de quelle origine ça, c'est pas vraiment de chez nous, quand il y avait un prénom hein, ou un nom de famille avec une consonance étrangère. Voilà, comment dire. Donc sinon j'ai eu une prof de maths pendant 2 ans, donc en première S et en terminale en spé maths. Et cette prof était alcoolique, enfin elle était pas que alcoolique, hein, à mon avis elle prenait d'autres choses aussi, mais en gros elle était souvent bourrée, et donc le premier jour elle est arrivée, il y avait une petite estrade en fait, elle s'est pris le pied dans l'estrade, et elle s'est viandée, et du coup elle a pété ses lunettes, elle s'est explosée sur le nez, et donc petite semaine d'arrêt maladie aussi, et elle loupait tous les conseils de classe, toutes les réunions parents prof en disant « désolé j'ai dû garder mon petit-fils, etc. » À mon avis, elle avait surtout pas réussi à se lever le matin et on avait dû faire, je pense, un tiers du programme à chaque fois sur l'année. Quand je dis un tiers, je suis large. Hein. J'avais une autre prof d'SVT aussi qui était contre l'avortement, contre même le divorce, etc. etc. Et elle faisait la promotion justement de ces idées-là en cours. Et elle était contre le préservatif, elle était contre la contraception, etc. Si vous voulez, voilà, j'ai eu des profs comme ça sur même 2 années en fait, parce que finalement en seconde ça allait. Donc voilà, sur 2 années, première terminale, j'ai eu ces profs-là et j'ai eu plein d'autres profs qui étaient nuls, hein, qui étaient très 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 mauvais. Là c'est juste les pires. Et je me suis dit, mais comment c'est possible? C'était un bon lycée en plus, hein. C'est ça qui est terrible, c'est un bon lycée. Bon, j'avais un collège, c'était un peu un collège de cassos, mais c'était un bon lycée. Et je comprends même pas comment c'est possible, quoi. Et j'imagine même pas ce que vous avez dû subir vous aussi comme prof. Et je suis pas une exception du tout. Tiens, encore un autre exemple. Alors ça, c'était pas dans ma classe, mais c'est dans une autre classe de la même année que moi. Il y avait un prof de philo, bah, il avait pécho 2 élèves, mais un prof de philo qui avait plus de 40 piges. Hein. Comment c'est possible? Alors, en plus, les élèves n'étaient pas majeurs, ça c'est un petit souci aussi. Même si elles étaient consentantes, etc. C'est un petit peu chelou, quoi. Puis de toute façon, lui, il était chelou. De toute façon, les profs de philo, j'ai l'impression que c'est les pires. Je suis désolé si vous avez des parents de profs de philo, il y en a peut-être certains qui sont bien. J'en ai jamais vu personnellement. Anecdote, hein, complètement une petite parenthèse qui est assez drôle, je trouve. J'avais une prof de philo. Bon, j'étais déjà un gros troll à l'époque et je dormais un petit peu en cours en philo. Mais la prof essayait de nous prouver que Dieu existait. Alors, moi, j'ai pas de soucis avec ça, quoi. Si c'est un raisonnement qui est intéressant, pourquoi pas. Sauf qu'elle nous l'expliquait de façon totalement nulle à chier. Je vais vous expliquer. Donc, son raisonnement était le suivant. L'infini, dans la nature, le nombre infini, n'existe pas. Donc qui d'autre qu'une entité infinie a pu apprendre à l'homme ce qu'était l'infini, si ce n'est donc un dieu qui représente l'infini. Donc Dieu est infini, et donc Dieu existe. Et donc moi, mon raisonnement, je me suis réveillé en cours, là j'ai fait waouh, là je vais faire mon intervention de l'année, mode troll activé on va dire, et j'ai fait madame, je vais vous prouver que Dieu n'existe pas. Bon, je sentais direct qu'elle avait pas l'air très très chaude dès le début. Hein. J'ai pris le même raisonnement qu'elle, j'ai dit... Le zéro, dans la nature, n'existe pas, parce que par définition, le zéro, c'est rien, donc rien n'existe pas. Donc qui d'autre qu'une entité qui n'existe pas a pu apprendre à l'homme ce qu'était le zéro? Donc Dieu n'existe pas. Et là, j'ai eu le droit, bon bah vous sortez de cours. Aucun humour, rien quoi. Aucun raisonnement, aucune pédagogie, elle a pas essayé de raisonner avec moi, rien du tout. Non, non, c'était juste vous sortez de cours. Voilà, ça c'était le niveau de mes profs de philo au lycée. Comment c'est possible d'avoir des cassos pareils, des personnes pareilles dans l'éducation nationale? Qu'on ne peut pas virer quand il y a des évaluations de profs, ils sont prévenus à l'avance, c'est jamais des évaluations surprises. Donc c'est toujours... on va profiter de ce cours pour préparer l'évaluation de la semaine prochaine, j'ai un inspecteur qui vient, du coup on va tout mettre bien au propre dans ce cahier, et on donnera le cahier de la meilleure élève à l'inspecteur pour bien lui montrer qu'on travaille bien. Bonjour, c'est Maïté, cordialement, le rondelet c'est mon préféré. putain, non mais sans déconner quoi. Et paradoxalement, les profs avec lesquels j'ai jamais eu de soucis, qui étaient toujours assez compétents ou assez enthousiasmants, on va dire, c'était les profs de sport. J'ai l'impression qu'ils sont quand même mieux préparés à gérer une classe que certains autres. Alors, j'imagine que parmi vous, il y en a certains qui vont me donner des exemples de vieux profs de sport vraiment nuls à chier, mais globalement, je les trouve moins mauvais, quoi. En tout cas, si vous êtes au collège ou au lycée, désespérez pas, après ça s'améliore. Soit si vous faites des BTS, etc., ou la fac, ou je sais pas, ou même si vous commencez à bosser après, comme ce qu'a fait Razor d'ailleurs, vous n'allez pouvoir que kiffer la suite. Voilà, je sais pas comment vous dire. En tout cas, personnellement, c'est ce qui est arrivé. J'ai quand même préféré, même si c'était des locaux pourris à la fac, avec des amphis pas chauffés et tout, où tu venais en manteau, les mains gelées, etc., au moins les profs... Certes, ils n'étaient pas forcément passionnants, mais t'apprenais des choses nouvelles avec des personnes compétentes. Et on te prend moins pour un débile en mode « Non, vous n'avez pas le droit de prendre les portables en cours, toute absence doit être justifiée, etc. etc. » Généralement, ils sont un petit peu plus cool, surtout à la fac.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que je vous ai pas trop déprimé. En tout cas, moi, ce qui m'a déprimé, c'est le score de mes alliés. Putain, le second, il a 40 kills de retard. Donc c'était des mecs, voilà, ils se sont fait spawn killer toute la partie. Ils ont pas voulu sortir du spawn, moi j'ai fait ce que j'ai pu. Mais je me suis fait un petit peu rect aussi en face. Voilà, ils sont mis en position de spawn kill tranquille. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, jouez bien, rock c'est bien. Et à la prochaine, ciao. Is there anybody else?